salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Warzone. De Battle Royale, et que le petit Bah là c'est Battle Royale qui nous intéresse, et aujourd'hui pour une excellente nouvelle, et profitez-en parce que c'est sûr, ça ne va pas durer. Effectivement, ils ont fait une erreur. Vous connaissez un petit peu leur acharnement sur les snipers, et avec la mise à jour de la saison 3.5, et bah ils se sont encore un petit peu acharnés sur les snipers, sauf qu'ils ont fait une erreur. Alors petit aparté, si vous voulez un peu le détail de ce qu'il y a comme nouveauté, le patch note, les armes, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a comme nouveauté, tout ça, il y a une vidéo sur la chaîne secondaire spéciale qui explique toutes les nouveautés qu'on a et les changements sur la map et dans le jeu de la saison 3.5. Le lien sera bien évidemment dans la description en dessous de la vidéo. Et du coup, ils ont fait une petite boulette, c'est-à-dire qu'en gros, il y a la X50, ils ont voulu baisser la vitesse des balles de la X50, sauf que ils ont fait comme ça, je sais pas, ou peut-être qu'il y a un mec qui était pas forcément d'accord de l'acharnement des snipers, il a dit en scred, on va mettre un truc comme ça. En gros, la X50 hit scan jusqu'à 400 mètres. Qu'est-ce que c'est le hitscan? En gros, c'est l'endroit où tu vas viser, ça va toucher instantanément. C'est-à-dire que si le gars il est dans les airs à moins de 400 mètres, tu mets ton viseur pile poil sur la tête, tu tires et BAM! Ça shoot. Alors, c'est pas toujours évident d'arriver à être précis comme ça et de suivre à une personne, parce qu'on a toujours déjà le réflexe et l'habitude d'essayer de compenser un petit peu avec la vitesse de la balle, la retombée, etc. Là, il y en a pas. Jusqu'à 400 mètres, c'est comme s'il n'y avait pas de retombée de balle, pas de vitesse de balle, tout est instantané. C'est magnifique, il y a moyen de mettre des grosses dingueries. Profitez-en, ça va pas durer. Vous garantir que au niveau des snipes, généralement, ils sont assez rapides. On se souvient, quand ils avaient sorti le SPR, c'était pareil. Il y avait du hitscan sur l'arme. En 24 heures, ça a été réglé. Là, on a un petit sursis de quelques heures. Je suis sûr que, voilà, d'ici 24 heures, 48 heures max, ça va être réglé. Mais en tout cas, profitez-en. Si vous avez envie de vous faire plaisir au snipe et que vous avez été un petit peu déçu avec ces saisons 3 qui, malheureusement, a eu un acharnement, on va dire, injustifié sur le sniper, un rééquilibrage était nécessaire. Bien évidemment, je dis pas le contraire. Mais là, la façon dont ils l'ont fait, était pas vraiment correct, dans un sens où ils ont comme pensé à l'instant direct, mais pas pensé au long terme. C'est-à-dire qu'ils ont patché par exemple le CAR 90 de Modern Warfare, de Vanguard, le SPR, etc. Une tonne de snipe, une tonne de fusil tactique, ils ont patché, et ils se sont dit ils sont moins efficaces, les gens feront un petit peu moins chier sur la map. Mais non, les gens ils ont simplement arrêté de jouer avec, tu vois, et ils prennent tous la STG, ou les armes dans le sens. Donc du coup, ils ont je pense mal réfléchi sur le truc, parce que au lieu de dire, on n'a pas de chez l'arme, comme ça les gens vont moins faire chier avec, non, ils vont tout simplement plus jouer avec et jouer avec les armes les plus efficaces, ce qui paraît un petit peu logique. Donc en fait, c'est juste déplacer le problème, et c'est là où le souci sur le jeu, c'est en termes d'équilibrage. On doit avoir une centaine d'armes au total sur le jeu, on en voit 5. Je peux pas dire mieux. Alors du coup, pour la classe, si vous demandez, il n'y a pas de classe vraiment, parce qu'en gros, l'arme de base, elle va avoir le maximum de vitesse des balles et pas de retombée. Donc du coup, t'es pas obligé de mettre le canon pour avoir la portée des dégâts et la vitesse des balles, elle est déjà au max. Donc tu peux même mettre le canon usine qui te permet de viser plus rapidement et d'avoir une meilleure vitesse de déplacement, que à 400 mètres, boum, side scan mon pote, c'est ça qui est magnifique. Donc tu vois, j'ai mis le silencieux léger, pourquoi mettre le silencieux magnétique qui va te faire viser plus lentement, mais tu veux quand même rester silencieux pour pas te voir sur la minimap, silencieux léger, et etc. Donc après, tu fais vraiment la classe comme tu veux. J'aime bien le zoom ajustable parce que ça te permet justement d'avoir un zoom un peu plus large, on va dire une vision un peu plus large de ce qui se passe, pour ensuite te recentrer et zoomer sur la personne, même si je suis pas très fan de ça en règle générale. Je trouve que ça passe bien sur la X. Alors, vous avez peut-être entendu dans le fond, on entend encore Godzilla et Kong. L'event est terminé, mais apparemment le jeu est pas au courant. Voilà, bon voilà les amis, c'est tout pour cette nouvelle. Profitez-en. Si vous kiffez ces petites nouvelles, n'hésitez pas à le faire savoir et le partager en mettant un maximum de pouces bleus de like sur la vidéo. Ça plaît, c'est la récompense. Abonne-toi également, active les notifications pour être sûr de recevoir toutes les vidéos quand elles sortiront. Merci à tous pour votre soutien incroyable quotidiennement. Merci à vous. J'espère que vous kifferez et je vous souhaite une excellente vidéo, excellent gameplay. Sans plus attendre, c'est parti. What? D'accord. Ok. Ok, pourquoi pas. Salut. La caisse, elle arrive. Véhicule secret. Ne dites rien à personne. Ok, ok. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je vais faire le défi.
écoute, bien, merci Pigeon. T'as même la STG en verte là comme ça. Elle tabasse hein, sa mère. On va faire le défi et on va chercher la caisse après. Booster actif. Pour rester sur place, c'est génial. Il y a un gars sur la caisse hein, normalement. Même la version en verte de la STG, elle est incroyable. Mais c'est une dinguerie ce truc. J'ai la STG verte du sol, mec, c'est une dinguerie. En plus, la verte, maintenant, ils ont mis la petite lunette 2,5, tu vois. Ils ont dit, mince. Allez. Il y a eu du grabuge ici, hein. On peut aller voir le gars à gauche. Il est en... Enfin, il est en bas de moi, mais ça veut rien dire pour l'instant. Mais... Ah, à droite aussi. Hey frérot. Ah, véhicule. Je pense que le véhicule, c'est le mec qui était dans le bat tout à l'heure. C'est quand même plaisant ce petit AX. Hein. C'est quand même plaisant. Après, j'ai tellement pas l'habitude d'avoir... Enfin, c'est déstabilisant aussi dans un côté parce que bah, c'est pas vraiment l'habitude qu'on en a d'avoir du hitscan sur un snipe, tu vois. Donc quelque part, c'est pas non plus si évident dans le sens où bah, on est habitué à avoir un petit peu de retombée ou quoi. Donc c'est pas l'automatisme, tu vois, on n'a pas les réflexes. Bah écoute, la petite entrée au goulag, mon pote, elle est pas tombée dans l'oreille d'un aveugle, hein, moi je te le dis. Hein. On va aller voir un peu à gauche. Ça aurait été magnifique. Bon après, dans les airs, j'avoue que le hitscan, il est magnifique. L'hitscan sur la X50, ça va être la priorité. Hein. Ah, ils vont arriver ce matin dans les studios. Allez, général! Il y a un sniper, il a un shit! Oh putain, les gars, mobilisez-vous, arrêtez la boutique! Tout le monde dessus! Ah, bah, tu peux être sûr. Ça aurait été la STG. Ouais, non, on va faire des tests. Je suis pas très sûr que ça buguait. Ah, moi, je suis très sûr que ce soir, c'est patch. Hein. Ah, bah, t'inquiète pas que là-dessus, les gars, ils sont. C'est des malades. Hein. Ça va surprendre personne. Vraiment, si c'est pas patch ce soir, ça va être une surprise. Par contre, la première balle, elle était dans la tête, hein. Excuse-moi. Okay. Y avait pas deux gars? C'est là où je comprends pas.
C'est quand même plaisant quand tu mets des petites têtes à la X comme ça. Ah, je vais pas te le cacher, frérot. C'est quand même sympa. On va aller sur la hauteur. Ah. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu un petit problème de caisse, mon pote, non? Il y a du monde là. Il y a un gars au-dessus. Putain, j'ai cru que j'allais être bloqué. Je fais non. That feel good. Ah, il y avait un gars là, mais il est parti. La question c'est est-ce que lui, il est sur le toit ou pas? Oui. Ah mais c'est lui. Con moi aussi. J'avance. Ah yes. Ah. Ça fait du bien hein. Alors c'était pas amusé au snipe sur Warzone de la saison 3 que maintenant. Bref, je vois pas dans les airs mais... Ah elle est là. Hé, hey, t'as vu comment ça abusait? Mec, j'étais parti, hein. J'étais parti. C'est ouf, hein. Ça, c'est la STG, ça. Il est en dessous. Il attend sur le shop lui. Il en reste plus que 10. Dispositif de reconnaissance. Il rentre sur ravitaillé. Le gaz avance. Non. On a repéré un brouilleur de radar ennemi dans votre sens. Mon dieu le connard. Mon dieu le connard. Mais c'était pas lui hein. Moi le mec qui m'avait eu c'était un skin blanc. Je crois non. Ah non non c'était ça. Bah tout ça pour ça ouais. Non mais carrément. Il y a un écran vert là? Ah non, c'est une voix de chut, mec, il y a un streamer qui est là et tout. À gauche cette fois-ci. Ouais. Ah, il est sous. Ok. Il est sous le pont. De toute façon, il reste lui et l'autre à gauche. Hein.
fenêtre à gauche, je le vois pas. Son Jilly, il finira bien par venir. Ah merde, je me fais tirer dessus. Ah la fougère le gars. Ah mais hé, la X50 là. Bon, on sait qu'ils vont le patch hein. Mais oh, c'est quand même bueno hein. C'est quand même bueno frérot. Ça fait plaisir. En plus ce qui est bien c'est que avec le fait que ça X-scan, c'est à dire que ça... la balle c'est comme si elle avait une trajectoire rectiligne et instantanée, tu vois. Donc en gros si le mec il a 300 mètres, tu vises juste la tête et puis ça tape. Yeah, the guy who I killed is not rushing, so shut up. Le mec, il est en train de dire que je campe, sans blague. Le mec que j'ai tué à la fin, le culot quand même, la définition de culot. Le gars à la fin, il était quand même en train de dire j'étais en train de camper. Tu l'as vu le rat mort que j'ai buté là? Le mec, il était dans le buisson comme ça là. Il est en train de dire que je campais. Moi je sais pas, mais à la fin j'ai vu personne rusher hein. En fait ce qui est bien avec le fait que ça hitscan, c'est que tu peux créer ta classe à l'X comme tu veux. Y'a pas de ah faut que je mette le canon qui a le plus de portée de dégâts le... Non. Tu fais comme tu veux. Tu peux même rien mettre, tu vois, c'est vraiment tu fais comme tu veux. Mais moi j'aime bien le zoom ajustable parce que c'est vrai que des fois je trouve ça zoom un peu trop fort. Robustesse, j'ai mis ça au cas où. Bon, tu vois la situation là où je visais le gars, c'est là où tu vois que ça sert à rien. La situation où je me suis fait mettre à terre quand j'étais en haut du bâtiment, bah je tire sur le gars et le l'arme elle bouge comme ça. Et même quand j'étais derrière le mur, c'est là où je me suis fait down. Donc tu vois que robustesse, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça réduit le tressaillement. T'as une résistance au tressaillement, ok. Mais le tressaillement est tellement fort que même si t'as une résistance, le tressaillement est fort. Donc de là à utiliser un truc, autant à la limite prendre balle chemisée, tu vois. Balle chemisée ou passe-passe. Franchement, je trouve que ça fait plus de sens. Avec robustesse, tu vois pas la diff. Mais au moins, on l'a testé. On sait jamais, c'est des fois. Des fois, tu dis, waouh, putain, trop bien, en fait. Tu bouges pas. Là, non, tu vois pas la diff. Donc, franchement, balle chemisée, ça peut être intéressant. Comme ça, au moins, quand il y a un véhicule ou quoi, la balle, elle traverse mieux. Passe-passe, bon, c'est peut-être pas si nécessaire. Puis la Milano, elle fait le taf, tu vois. Mais c'est ça qui est bien, tu vois. Du coup, j'ai même mis le canon qui te permet de viser accélérée, vitesse de déplacement. Tu t'en fous. J'ai même mis le silencieux léger. Tu vois, pourquoi je mettrais le monolithique qui me permet de. Qui va viser moins vite. Ah, mais le silencieux léger, frérot. C'est pareil, au moins, t'es silencieux, puis voilà. C'est ça qui est bon.